Lundi, on vous dira, on appellera votre fille et on vous dira si oui ou non vous pouvez revenir ou pas. D'accord. Bon. Donc pour le week-end, il serait plus raisonnable. Alors, est-ce que je peux avoir une chambre? Vous voulez aller à l'hôtel? Et bien sûr. Chez la famille, des amis ou à l'hôtel, hier, les habitants du 63 boulevard Grazian y ont dû trouver une solution pour passer la nuit. Il était tard quand les policiers municipaux leur ont rendu visite pour leur annoncer qu'ils devaient faire leur valise. La ville a été rendue destinataire d'un rapport d'un bureau de contrôle qui nécessite des investigations très poussées sur les planchers pour garantir leur solidité. D'accord, donc il y a un vrai danger, il a fallu évacuer. Il y a un danger effectivement caractérisé potentiel et donc ce soir, par obligation, la municipalité a pris un arrêté d'évacuation. Et les habitants font contre mauvaise fortune bon cœur et se résignent à quitter les lieux. La raison de l'évacuation, des travaux effectués depuis quelques semaines dans cette école de danse. Ce matin, sans surprise, tout est fermé, hormis une ou deux fenêtres à l'étage. Quelques rares habitants ont voulu rester sur place, malgré les avertissements. Lundi à 13h, une réunion se tiendra en mairie qui permettra peut-être aux habitants du 63 boulevard Graziani d'en savoir un peu plus.